J'aimerais m'excuser d'avance pour cette vidéo. Le son a bien fonctionné sur rien de ça, c'est plutôt. Aujourd'hui, il fait chaud. Là, on est la veille, le 25. J'ai eu de la difficulté à faire cette vidéo. J'ai dû reprendre quelques bouts plusieurs fois parce que il fait chaud. On dirait que la chaleur, c'est difficile de faire une vidéo parce qu'en plus de ça, on a de la misère à se supporter quand il fait chaud. Je tenais juste à vous informer que je suis désolé si vous me trouvez un peu monotone ou que j'ai l'air fatigué, peu importe. C'est un peu normal à cause de la chaleur, mais j'ai essayé le plus possible de mettre du dynamisme. Sachez que le début est volontaire. Alors pour ça, j'espère que vous allez aimer cette vidéo quand même. Alors pour ça, je vous dis bon visionnement. Allo tout le monde, voici Champion MCL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dying of God. Oui, je sais le criquet. Je le sais très bien. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, je sais pas pour vous. Pour moi, c'est plate. Mais en même temps, faut penser à d'autres choses. Aujourd'hui, comment dire ça? C'est la dernière vidéo de Dying of God, officiellement. Pourquoi? Maintenant, j'y joue pratiquement plus. J'ai débarqué de Dying of God pas mal. Et c'est pas la vidéo aussi qui. La série qui. Bon, je regarde ça. Ça, on regarde le nombre de vues. Première vidéo, bon, ça va. Ça va bien, c'est 5-4 vues, ça, c'est aucun problème. Deuxième vidéo, 27 vues. Ça a baissé énormément. Si on va. On va toutes les faire. 23 vues, ça a baissé pour la troisième vidéo. Quatrième vidéo. 19 vues. Ça a énormément baissé, là. Ensuite, ah, cinquième, ça a augmenté. Ça a augmenté à 49 vues. On peut pas dire le contraire. Sixième, 52. Ça a augmenté. Après ça, ça a tombé à 45 pour le huitième. La neuvième, 35. Puis la dixième, 29. Le début de la série a été peu écouté. On dirait que ça a augmenté par la suite. Je vais vous donner un choix, finalement. Finalement, je vais vous donner un choix. Est-ce que vous voulez que j'arrête la série Dying of God? Ça ne me dérangerait pas du tout de la continuer. Honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. Mais, si vous préférez que je l'abandonne, dites-moi-le en commentaire. Ce sera la dernière vidéo. Je voulais en faire encore deux autres. Mais d'une autre façon, de mon sens, je vais arrêter la série là. Je voudrais juste peut-être arrêter la série là comme ça. Je passerai à d'autres séries. Dont une que j'ai en tête, que j'ai goût de partir. Ceux qui me suivent sur Internet, sur mon site Internet, vous avez dû remarquer que ce n'est pas RPG Maker qu'il a en ce moment. Il a fait chaud en fin de semaine, hein? Dimanche, je vais faire le montage pour RPG Maker. Je me rends compte, parce que moi, vu que je faisais des... comme l'essai RPG Maker, je faisais comme l'essai Camtasia Studio 8.
je pense que j'ai pogné une version antérieure, alors qu'il ne supporte pas le mauve. Quand je dis qu'avant ça, il le supportait. Vous vous demandez pourquoi alors que j'ai pris une version antérieure alors que je l'avais déjà. J'ai fait une réinitialisation parce que j'ai eu un problème de DLL. Puis en faisant ça, j'ai perdu le Camtasia. Et à cause de ça, je peux plus ou moins faire grand chose. Puis j'ai de la misère à... Même, vous avez sûrement remarqué aussi depuis quelques vidéos, que le générique, il est pas comme avant. Il est comme... c'est comme écrit par-dessus ce qui est déjà fait. Ça, c'est parce que je suis plus capable d'installer Move Maker. Vous allez sûrement me dire, mais t'as juste à l'installer. J'aimerais bien ça l'installer, mais je suis pas capable. À cause du problème de DLL. Le problème de DLL qui me cause, c'est que Discord là, et Move Maker, ça fait en sorte que je ne suis pas capable d'installer. C'est ça qui est le problème. À cause de ça, j'ai décidé de déplacer RPG Maker et Dine of Gods. RPG Maker, il va y être vers la fin du mois. Pas à la fin du mois de septembre parce qu'on finit le mois, mais à la fin du mois d'octobre. Avant Clash of Clans. Ouais. Ou soit avant ou après Clash of Clans. Tout dépendant quand que Clash of Clans va faire sa mise à jour. Tout dépendant quand que Clash of Clans va faire sa mise à jour. Puis, troisième année consécutive de sur la chaîne, je dis bien. Troisième année consécutive de Clash of Clans. Du spécial Halloween Clash of Clans sur ma chaîne. Troisième année de flé. Parce que ça va faire bientôt 3 ans. Ça va faire bientôt 3 ans le mois prochain. Que ça passe vite. Si je fais une moyenne en ce moment, je serais 100 abonnés par année. Même si ça n'a pas été le cas la première année. Ça, c'est un petit détail. Mais on dirait, c'est comme si je ferais 100 abonnés par année, la moyenne. Qui est peu, je trouve. Que je trouve ça très peu. Puis dommage. Depuis que j'ai recommencé l'école, puis que j'ai des gros cours, puis j'ai recommencé toutes mes affaires, on dirait que j'ai moins de temps. Je sais pas pourquoi. J'ai moins de temps. Désolé si je fais juste parler, mais c'est une vidéo quand même importante pour le blabla. Puis en même temps, j'en profite pour le blabla. Ah, en passant, j'ai monté Hoplit. On dirait que j'ai moins de temps, puis aussi dimanche, je vais faire du montage, je voulais faire d'autres affaires, mais... À cause de la chaleur, oh mon dieu. Pas capable de rien faire, à cause de la chaleur. Ça ne tentait pas de rien faire grand chose, la chaleur. Tu sais, quand il fait chaud puis on a de la misère à se supporter. C'est à peu près ça. On attaque. Ceci. C'est là. Son il va plus vite avec. Ça me va plus avec mon cellulaire. Ma tablette. Mais c'est ça. C'est la dernière vidéo de Dying of Gods. Possiblement la dernière attaque de Dying of Gods. De la série Dying of Gods. À moins que vous en voulez d'autres. On va voir aussi les statistiques. Ça vaut la peine aussi d'en faire un autre. Je vais voir à ça.
avec une belle défaite. Ça doit se finir. Nous finissons la série avec une défaite. Ça va faire chaud. Alors que je tourne, on est la veille. On est le 25. En plus, j'ai même des choses imprévues qui arrivent depuis quelque temps. Imprévues. On savait, mais c'était imprévu d'une autre façon. Je suis au courant là, de tout ça, mais je vous en parlerai de cela peut-être dans une prochaine vidéo. Mais je vous invite quand même de suivre mon site internet. J'ai changé un peu les affaires. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a accueil, il y a champion MCL, père fort. Et ça, ça n'a pas changé. Et horaire des vidéos, concours et contact. Avant ça, c'était, après père fort, c'était concours, contact et gestion de la chaîne. Mais j'ai décidé de enlever parce que vous savez, il va y avoir une vidéo sur ça par contre, inquiétez-vous pas. J'ai fait un site internet donc que vous pouvez aller visiter si vous voulez. C'est pas moins bon que cela, mais la différence c'est que je l'ai fait à la main. Je vous dis bien, je l'ai fait à la main. 100%. Je vais vous donner je vais vous le dire, c'est championmmcl.ml. Si vous voulez aller voir qu'est-ce que ça a l'air, je vous invite à aller le voir. Puis m'en dire des nouvelles. Je dis ça de même. Essayez pas de me contacter. Ça ne fonctionne pas. L'apparence fonctionne, mais elle ne fonctionne pas pour me contacter. Si vous voulez me communiquer, pour me communiquer, le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Puis vous allez pouvoir aller directement sur le site internet. Sans problème. Mais je vous invite quand même à aller voir mon site internet officiel, mais qui a besoin de travail encore. Je vous le dis, j'ai besoin encore de travailler mon site internet. Il est fini. La retranscription de ce site actuel est terminée. Mais, d'une autre façon, il n'est pas terminé. Quand je dis qu'il n'est pas terminé, je parle tout simplement côté visuel. Des petites fonctionnalités que j'aimerais peut-être ajouter, mais que pour l'instant n'est pas possible. Parce que c'est, oubliez pas, je fais ça 100% à la main. C'est pas facile, d'une certaine façon, le faire à la main. Il y a une vidéo prévue pour ça que je vais faire dans quelques jours, qui ne sera pas disponible avant le mois prochain. Comme que vous allez pouvoir le voir sur l'horaire, qui est pour le mois d'octobre. Puis j'ai remarqué quelque chose ce mois-ci qui surprenant. Cet été, vous savez, j'ai monté énormément en abonnés. J'ai pratiquement monté de 100 abonnés. Mais de 60-80 abonnés, quelque chose de même. En une été. Puis le nombre de vues était de pas mal en plus. Ça allait à une moyenne de, je dirais, de 50 vues. J'étais bien content. Je me disais que je risque d'atteindre les 300 assez rapidement. Et je me disais aussi que peut-être je vais atteindre plus rapidement les 1000 abonnés. Mais j'ai remarqué durant ce mois-ci, dont mon hypothèse, c'est peut-être à cause de l'école, une baisse considérablement. Partout. Nombre d'abonnés, j'en ai pas beaucoup ce mois-ci. Nombre de vues a chuté considérablement, avec exception. Quand je dis exception, c'est quelques vidéos en particulier. Dont je mets les choses au clair, qui est l'exception à la règle à 80,
alors que je tourne 88 visionnements. Sinon, la vidéo Upcard 40, qui est bien, quand même. Clash of Clans 19. Sérieusement. Ça a droppé pas mal. 27, 35, 33, 27. On rôde encore dans l'ancienne moyenne de qui était d'une trentaine de visionnements. Personnellement, je trouve ça bien. Mais le problème, c'est pas beaucoup. À comparer que je peux avoir facilement du 50 vues. Quand je dis 50 vues, il pleut. Juste cet été, le Upcard 55. Comment bien commencer à Minecraft, vidéo 1. Ok, ça on s'entend, c'était la première de la série. 108. 63 Besiege. Comment bien commencer à Minecraft, vidéo 2. 55. Ça, ça a tombé d'un coup. Ça, c'est un détail. On n'en parlera pas de Steelers à 500 000 abonnés avec 724 vues. Ça, on n'en parlera pas. Parce que c'était la vidéo attendue depuis pratiquement un an. 122 bugs de YouTube. 50 vidéos informatiques. 239 vidéos de présentation. 3, qui est logique un peu vu que c'est la vidéo de présentation. Le Minecraft, la vidéo 3, 50. 60, on va l'arrondir à 70 pour Clash of Clans. C'était City Skylands, ça là a moins pogné par contre. 41 Minecraft, encore 50. Roblox, 84 Minecraft, encore 52. Et par contre, les meilleurs moments du mois de juillet et de août, 37. On voit que, en gros, 5 ans, c'est la moyenne. J'ai une moyenne approximative, je peux vous dire. J'ai pas la moyenne exacte. Mais je vois que 50 assez facilement et même plus. Pour ça, je suis un peu déçu que ça ait tombé d'un coup. Je sais très bien, faudrait que je diversifie un peu mon contenu. Qui est problématique un peu, c'est pour ça que je fais même du vlog qui n'a pas très très bien fonctionné avec 35 vues en une semaine avec le parc Belmont. Ouais, ce vlog est assez important parce que je voulais vous faire découvrir le parc Belmont. Quand sinon les vlogs sont maintenant rendus sur la seconde chaîne qui fonctionne plus ou moins, honnêtement. Je vous dirais pas les statistiques, par contre. Rendu là. Mais tant qu'à être à dire des informations importantes. Bon, prochaine vidéo, c'est meilleur moment du mois de septembre. Le mois d'octobre, bien évidemment, la série Upcard, qui est toujours là en début de mois. Le 6. Si vous comprenez pas pourquoi vidéo spéciale cette date précise, je vous conseille de regarder une ancienne vidéo peut-être de l'année passée dans les mêmes dates peut-être. Mais ça c'est si vous voulez comprendre pourquoi. Sinon vous allez le savoir la journée même. Bien évidemment. Ensuite, Age of Empires 3. Oui, le 3. Je vais faire le 2, mais le problème. Bon, il n'y a aucun problème vraiment. C'est juste qu'il faudra que je recommence la partie. Parce que j'ai supprimé la partie sans vouloir une journée. En voulant déplacer. Ouais. Bon, ça, c'est pas un problème, ça, de toute façon. Puis, Age of Empires 3, on va voir si je suis pas pire à date la dernière fois. Ça fait dur, mon affaire. Et quand je dis ça fait dur, mon affaire, ça fait dur. Ensuite, ben ça, je vous dis ça dans l'ordre non précise.
à partir de Age of Empires 3. Il y aura de l'informatique. Donc vous allez voir c'est quoi la journée même, je vous le dis pas. RPG Maker. Donc au lieu de s'adresser aujourd'hui, c'est vers la fin du mois d'octobre. Clash of Clans. Si vous comprenez pas pourquoi que je fais du Clash of Clans en fin d'octobre, regardez les anciennes vidéos des années précédentes, vous allez comprendre. Puis bien évidemment, meilleur moment du mois d'octobre. Mais sachez que si j'ai passé le contenu pour le mois de septembre, les meilleurs moments seront annulés sur le mois de septembre. Il sera pour le mois d'octobre. Parce que sachez que les meilleurs moments, je mets un temps minimal. Si j'ai pas atteint ce temps, je ne mets pas les meilleurs moments. Mais par contre, je le mets 2 mois maximum. Ça, c'est ma norme à moi. C'est environ 7 minutes minimum. 7 minutes minimum pour avoir la vidéo des meilleurs moments. Sinon, il ne l'a pas. C'est le mois d'après qui va aller pour les 2 mois. Pour le mois d'été, je voulais pas en faire un à la fin du mois de juillet parce que je voulais le faire pour les 2 mois, pour l'été en général. Mais c'est à peu près ça. Étonnez-vous pas que si les meilleurs moments, vous les voyez pas dans la prochaine vidéo, puis une autre vidéo est prévue, je vous dis, étonnez-vous pas, c'est bien normal. Puis, les vidéos peuvent changer en tout temps, même à la dernière minute. Quand j'en ai changé, j'ai quand même pas mal la dernière minute. Pour les vidéos, là, je fais selon que si, ce que j'ai de prêt, ce que je veux faire, ce que si j'ai le temps, puis peut-être aussi d'autres petites raisons par-ci par-là. Il y a un paquet de facteurs qui fait en sorte que des fois, ou des fois ça me tombe pas de le faire cette journée-là parce que je pense de pas en avoir assez de temps parce que je sais que tel jour, je peux pas. Alors, je le repousse cette vidéo, puis je prends un exemple plus facile à monter ou je fais une vue rapide. Si vous vous demandez comment que j'organise mes vidéos. Durant le mois d'été, c'était temporaire sur la page d'accueil, l'horaire des vidéos. Mais maintenant, c'est permanent pour la page complète. Pas accueil, une page complète de l'horreur. C'est permanent. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, blabla. Ouais. Mais avec des informations importantes sur ma chaîne. Pour certains, oui, certains plus ou moins. Je l'ai vu. Pour certains qui est intéressant à savoir, puis certains qui est plus important. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Ou encore, vous pouvez toujours aller visiter aussi dont il est à jour. Je vous précise, à jour. Bon, j'ai juste quelques petites affaires à modifier pour le mettre à jour, mais sinon il est à jour. Vous allez sur mon site internet championmmcl.ml. Oui, ML. Parce que c'était gratuit le nom de domaine. Tout simplement. Il n'y a aucun secret, c'était juste gratuit que j'ai pogné ça pour 1 an. Mais championmmcl.com, il va venir un jour. Quand j'aurai l'argent. Parce que là, je n'ai pas d'argent pour ça. Même si ça coûte pas cher. Pour 3 ans. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et on dit adieu à Dine of Gods. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.